Salut à tous et bienvenue sur le 5e épisode de la reprise. Voici tous les travaux réalisés dans le live de lundi. Le panneau numéro 12 a été validé et un très gros changement a été fait. On devait changer de moissonneuse le plus vite possible et c'est ce qu'on a fait. La Lexion a été vendue pour plus de 107 000 euros et nous avons choisi d'acheter une John Deere S7 pour 286 000 euros et 43 000 euros pour la barre de coupe. Bon, pour faire ça, on a dû faire 200 000 euros d'emprunt à la banque, mais c'est validé. Le panneau numéro 14 a été validé où nous devons faire du lait végétal. La récompense a été une réduction de 30% sur un semoir et donc nous avons vendu l'ancien semoir contre un sulky PVL de 6 mètres en semi-direct pour 76 000 euros. Et pour finir, nous avons décidé de refaire une coupe de fauche et d'un rubané, donc un plateau complet est à vendre aujourd'hui. Le panneau numéro 24 et le numéro 15 ont été trouvés. L'un nous demande de semer et de récolter 3 hectares de maïs et le second de produire 50 tonnes de farine. Donc là, il y a du boulot. Les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Encore une fois, merci beaucoup et moi je souhaite à tous une très bonne vidéo. Bon amis, du coup on est parti pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Hugo et de Germain. Salut les gars. Salut. Salut. Est-ce que vous allez bien? Ça va. Ouais. Parfaitement bien, impeccable. Bon, vous avez vu, hein, la petite batteuse, on a fait un achat un peu, pas impulsif, parce que c'était l'objectif, hein, il fallait qu'on fasse ça, c'était la mission qu'on voulait faire. Ouais. Et on a mis longtemps à se décider, hein. C'est vrai qu'en live, on savait pas quoi prendre, il y avait une S680. 5 bottes de paille, non, d'herbe. Ouais, c'est tout ça, non, ouais. 5 bottes de luzerne. Alors oui, l'objectif, ouais, donc c'était changer de batteuse au plus vite, on a décidé de le faire, donc on a vendu l'ancienne batteuse pour 100 000 euros, et on a pris celle-là pour, je sais plus, 270 000 euros. Donc ouais. Voilà, on a quand même pris à la banque à déjà 100 000 euros, on a plus que 4 000 euros, donc c'est un peu la crise en ce moment, mais ça devrait remonter. Donc voilà, on a pris la S7, la toute nouvelle version 700, pas la 600, donc elle est quand même pas mal. Et barre de coupe de 9 mètres, je crois, il me semble. Donc, ouais, donc voilà. Ça, 9 mètres 2. Donc, on a trouvé notre panneau, je vous explique vite fait. Produire 50 tonnes de farine, ça va être très compliqué, mais on va essayer de le faire. Il y a toujours le défi de 100 tonnes de sorgho, on est à plus de 50 tonnes largement, donc ça devrait bientôt se terminer. Et on a aussi produire 20 palettes de sucre, donc ça, c'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui. Si Coco est chaud, voilà. Il y a la batteuse à prendre. Alors, ouais, vous écrivez tous GG Germain qui a semé du sorgho et en plein milieu il s'est dit t'es si je mettais un petit peu de blé. Non, c'est parce que on a changé de semoir. Exact, et en fait, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais d'un côté c'est pas grave parce que ça commence le défi de blé, bah de farine. De farine, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà le semoir. On a vendu l'ancien semoir parce que du coup on a fini un autre objectif. Je sais plus lequel c'était, mais c'était un semoir à moins 30%. C'était quoi l'objectif qu'on a fini? Ah, le lait végétal. Les bio. Ouais, ouais, on voilà. A fait du lait végétal. Le résultat de l'objectif c'était donc d'avoir un semoir à moins 30%. Et on a décidé d'acheter celui-là qui coûte, je crois, 107 000 euros. Donc voilà, celui-là est très très bien. Il met de l'engrais semi-direct, c'est le plus important. Donc voilà, on a acheté un nouveau semoir. Et ça, c'est le défi de la moissonneuse. On a récupéré super 5 bottes de luzerne. Donc c'est pas grand chose. D'ailleurs, je pense que je vais les mettre, je vais les ranger d'ailleurs, je vais les mettre sur le côté là. Et t'as oublié de dire le défi de maïs aussi. Et le défi 3, de maïs. 3 hectares de maïs, c'est ça. Et ouais, donc le défi de maïs, c'est ça. Ouais. Faire 3 hectares de maïs. Donc, les bottes à rubané, on les vend, vu qu'elles sont fermentées. Ouais, allez, en avant. On espère avoir un petit peu d'argent. Encore une fois, amis, hein, je tenais à vous remercier. Merci pour tous vos retours, vos pouces bleus et tout, ça fait trop plaisir. Deux bottes, 3000 euros de bottes. Bon, c'est pas la folie, mais bon. On s'est chauffé en live, on a fait pas mal de choses. Comment ça va nous faire apporter d'argent, ça? Oh, oh, pas mal, pas mal. 70 000 euros, plus une botte qui reste. Donc, on voulait s'acheter un champ. Je sais pas si on va le faire maintenant. Est-ce que vous en pensez quoi? On va peut-être attendre un petit peu. Attends, je vais faire le prêt à la banque. Parce que du coup, le prêt à la banque maximum, c'est 200 000. Donc là, on a donc 180 000 euros. Et le champ que moi, je voulais m'acheter. Parce que du coup, on a un défi de faire de la farine. Et on s'est dit, autant qu'on achète un champ qui a du blé à l'intérieur ou de l'orge. Ouais. Et du coup, le blé ou de l'orge, qui est assez grand, c'était le numéro 28 qui nous intéressait, qui en plus du coup est pratiquement mûr. Donc si on dort une nuit, il y a moyen qu'il soit mûr. Voilà, Il fait 3 hectares. Ouais, aussi. Il fait 3 hectares, donc du coup pour le maïs, ça va être parfait. Comme ça, on sème juste ce champ en maïs et au moins on sait que le défi est validé. Donc du coup, est-ce qu'on se l'achète? Il coûte 187 000 euros. Ah bah non, après on peut vendre la barre de coupe de maïs. Ah oui, ouais, puisqu'il nous manque 7 000 euros à voir là. Sinon, on va pas acheter le champ. Bah on fait quoi, on la vend? Ouais, et attends, est-ce qu'on la vend plus de 7 000 euros? C'est la question aussi. Moi, on la vend 9 000. Ouais, sinon au pire, on va vendre un peu de sorgho qu'on a en stock, hein. Donc Germain est en train de moissonner. Hein. Ouais, là, je suis bientôt à 10 tonnes dans la machine, donc franchement... Ouais, bah du coup, à cette batteuse, franchement, certains... Alors, ceux qui étaient dans le live, certains ont dit « Ouais, mais vous abusez, c'est beaucoup trop gros !» Mais en vrai, Hugo, toi, tu voulais prendre une S680, en vrai, hein. Ouais, je voulais prendre un petit peu plus petit, le modèle plus petit. Ouais, le modèle plus petit. Et au final, celle qu'on a pris, bah, elle est quand même pas dégueu. Elle est quand même... on a pris la version pas la plus petite, une version qui peut quand même évoluer pas mal. Donc, plus tard, on pourra mettre une barre de coupe de 10 mètres sans problème.
Donc voilà. Donc et on après a 13 et après 15. Et après ouais voilà, mais du coup je pense que cette bataille on va quand même aggraver, je pense, jusqu'à une bonne partie de la série. Et il y avait une question qui était: est-ce que si vous avez fini tous vos panneaux, vous avez trouvé tous les panneaux, est-ce que la série s'arrête? La vraie question c'est même nous personnellement on n'a même pas trop réfléchi. Je pense que si on a fini les 30 panneaux, on devrait vraiment être sur ça sera après l'été à mon avis. Mais c'est vrai qu'on trouve les panneaux assez rapidement. Et je vais vous le dire, dans les défis qu'il y a, il y a des défis qui seront impossibles à réaliser en une ou deux semaines. Donc, pour vous dire... qu'est-ce qu'il y a? C'est de faire 1 million de leads dans ce village. Non, mais il y a des défis. Parce que voilà, c'est moi qui ai fait les visuels quand ça s'affiche à l'écran. Donc, il y a certains que je sais qu'il y en a des gros. Je sais juste plus les numéros que c'est. Mais voilà. Déjà, du coup, encore une fois, si vous trouvez des panneaux, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Comme ça, si vous les voyez, vous dites hop, on a trouvé un petit panneau. Je vous rappelle que tous les panneaux qu'on a trouvés sont tous vendus. Donc, comme ça, si vous les voyez, c'est pas des panneaux qu'on a déjà trouvés, c'est forcément des nouveaux à découvrir. Bon, j'entre à la ferme, d'accord. Je vais poser le plateau et on va vendre la barre de coupe. Et il va falloir aussi qu'on loue la machine à betteraves. Parce que là, les betteraves, c'est parti, faut commencer quoi. Ah oui, maintenant, on aura peut-être un petit problème d'argent. Ouais, on va louer la machine et puis acheter le champ. Non, mais je pense que Germain, ce que tu ramasses, ouais. On va le vendre. On va juste le comptabiliser pour le défi, mais on va le vendre. Vas-y, là, en vrai, je suis à 90%, 13 tonnes. Donc, 13 tonnes de sorgho. Bah, Hugo, tu peux aller vendre ce que Germain fait? Enfin, quand t'as fini la partie de sorgho. Allez, viens, vidéo, Pierre, ouais. Moi, je ramène ça à la ferme, on va vendre le cueilleur. Et si jamais il y a des choses à vendre, autant qu'on en vend. Mais il y a des palettes de lait végétal. L'air, c'était 8000 euros. Hein. Une seule palette de lait végétal, c'est 8000 balles. Et je pense qu'il y en a eu d'autres qui s'en sont créées potentiellement. Donc, je crois que j'ai dû voir. Ouais, donc au pire, on va essayer d'aller voir s'il n'y en a pas à en vendre. Mais en tout cas, la ferme se développe pas mal. Hein. En vrai, c'est vrai que en 4 épisodes, regardez tout ce qu'on a fait. Ouais, j'avoue. Ouais. Parce que c'est très rare que dans mes séries, on se développe aussi rapidement. Alors... Les panneaux aussi, ils font un petit peu. Bah, les panneaux, ils font. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, on a eu les espèces de cassettes aussi. Ouais, c'est vrai que les cartouches, au début, enfin, pas les cartouches, les panneaux, je crois. Ouais. Alors, regardez-moi cette belle batteuse quand même. Ça a de la gueule. Full JD. La petite benne qu'on s'est achetée la semaine dernière. Donc, ce qui fait qu'on a quand même maintenant une grosse benne s'il y a besoin. Donc, parfait. Bon, combien on va vendre le cueilleur? J'espère, enfin, à mon avis, pas cher. Hein. Franchement. Oh! Bah, c'est parfait. Oui. Oh, mais mec, c'est trop bien. Bon, bah, du coup, je le vends. Je le ramène même pas au concessionnaire moi-même. Hein. Donc, 9000 euros de vendu. Ce qui fait qu'on a donc 189000 euros. Bon, par contre, le problème, c'est qu'il va vraiment falloir qu'on rembourse nos petits sous-sous. Enfin, nos emprunts rapidement. Parce que là, on va acheter le champ et on va être à découvert. Et du coup, Germain, normalement, Hugo, si tu as vendu la benne, on va pouvoir louer normalement la racheuse à betterave. Parce que sinon, on n'aura pas assez d'argent. Bon, allez. Acheté, voilà. Le champ 28 est acheté. Il nous reste 1700 euros avec un emprunt à 200 000 euros. Donc, c'est en DAX. Moi, je vais prendre. Bah, j'enchaîne direct hein, avec la machine. Ouais, enchaîne. Moi, je vais prendre je récupère le TG et je vais aller récupérer la machine à betterave. Hein. On fait des andins, non? Autant garder la paille. Sur cette parcelle, je pense pas. C'est en plein milieu. Bah, je sais pas, ça fait un peu de sous, non? Ouais, mais je pense qu'on fera sur la grosse parcelle quand je viens de m'acheter. Ça sera mieux. Parce que là, ça sert à rien. Ouais. C'est dommage qu'on peut pas faire de mission, mec. Tu sais pourquoi? Non, pourquoi? Il y a une mission qui rapporte 89 000 euros. Quoi? Mais du coup, c'est une mission qui doit être tellement compliquée. 89 c'est le champ 47, euros. Mais il faut ramasser des carottes. 89 000 euros de carottes et 47, c'est quoi le champ 47? Oh. Ah ouais, c'est celui-là là-bas. Ouais, non, mais tu te rends compte, c'est abusé, c'est trop là. Là, on passe notre semaine. De ta parcelle, hein, parce que là, c'est pas mûr hein, dans la 2. Ah, bah dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir une nuit. Bah maintenant, même au final, je pense. Ouais, vas-y, go. À part si le sorgho Hugo se vend plus cher. D'ailleurs, faut que tu comptabilises combien il y a dans la benne. 20 tonnes. 20 tonnes. Il faut qu'on regarde, putain, combien on en est. Je sais même plus combien on a eu de défis. On est à 50 000. On est qu'à 50 000. Bah oui. On a pas fait de sorgho depuis. Non. Oh, il y a un plateau qu'on cesse. Attends, c'est moi ou la benne est tang? Elle est tang. Tout à l'heure, j'ai pris une pause dans le chemin. La benne est à 2 de cabane. Ah ouais. Vas-y, go dormir. Ouais, go dormir maintenant. Comme ça, c'est fait. Tech. Allez, bonne nuit. 8h du mat. Est-ce que le champ va être mûr, le champ qu'on vient de s'acheter là? Oh 1000 balles de remboursement d'emprunt par jour. Ah, ça a piqué ça. vas-y, Hugo, va vendre. Parce que là, j'ai même pas assez d'argent pour louer la machine à. La machine à betterave. Mec, on a plus de sous. Sinon, il faut aller vendre les palettes. Peut-être ça a créé une palette de lait végétal. Hein. Ah ouais, ça a créé une palette de lait végétal. C'est 8000 balles. Hein. Le lait végétal, faut le prendre avec quoi? Avec le C15. Tu prends le C15, tu vas dans la fin de concession. Parce que le plateau, ça va être trop long. Du coup, j'ai jamais appris le C15. Oh, il pleut. On va fermer la trémie. Mais attends, une question. Il faut louer le train, mais c'est 1000 balles pour louer le train? Non, c'est 1000 balles par heure, je crois. Ah oui, c'est bon. Non, ça va. Attention, les amis, je vais filmer le Germain qui va nous permettre de gagner 8000 balles. C'est Hugo. Ah, c'est Hugo qui part. Non, c'est Germain qui est parti. Ah oui, j'arrive. Ah oui, bah. Et là, c'est à droite. Vas-y, mets les petits feux. Ah, t'as mis les feux là. Mec, je suis pour rien. À gauche, pardon. À gauche. Wow.
Voilà, nickel. Vas-y, tout droit, tout droit. Ah, mais il fait nuit, là, Bah, là, il fait plus que nuit, là. Ah, mec, tu prends que dalle. Vite, les végétales, faut le vendre. Vas-y. On dirait qu'on fait du trafic de nuit, tu sais. Vas-y, fais X. De ouf, là, on est sur GTA, là. Alors, vas-y, mets-moi ça là-dedans. Tac. Allez, hop. Et là, les végétales, c'est dans le village à Kossi. Ouais, tu vois, on redort une nuit, hein. On a moins 600. Oh putain, on a plus d'argent. Oh. Aïe, 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 le coup de fil du banquier. Ah bah, c'est mûr, du coup. Parfait. On va moissonner, du coup, ce champ. Hugo, t'arrives à bientôt pour vendre, là? Ouais, bon, là, j'y suis, là. Les amis, je finis de moissonner ce champ. Normalement, t'as combien dans la benne, Hugo? 20 tonnes. 20 tonnes, ouais. Ouais, 19 tonnes. Oh, j'avoue, la batteuse. Les amis, c'est tellement un achat de fou. Bon, la barre de coupe, on voit qu'elle peut prendre bien plus grand, hein. Mais pour l'instant, on commence tranquille, quoi. Allez, hop. Là, je suis en train de vider. Hop. On sait qu'il faut appeler le train maintenant. Maintenant, j'ai de l'appeler. Ah, ouais, du coup, tu vides là. Le train, c'est en bas, je crois. C'est là. Louer le train. Et c'est 500 euros par heure. Sauf qu'il n'y a pas écrit où c'est qu'il est, le train là. Ah, il est là! Il est déjà là. Ouais, parfait. Bon, j'ai tout vidé. Bon, bah, je repars au champ de blé alors. Bah, ouais, j'espère qu'on va vendre ça à un bon prix quand même. Tac. Alors, blé, orge, avoine, cosa, sorgho. 19 tonnes de sorgho. Si. Vas-y, bah, vends, on met la palette dessus et puis on va voir. Allez. Vas-y. 19 tonnes de sorgho, ça part. Tu veux dire qu'il faut faire à peu près 30 tonnes dans les prochaines. Dis-moi que c'est pas possible. T'as tout vendu? T'as pas tout vendu, Germain là? Ah, j'ai eu trop peur. Voilà. Ah, j'ai eu peur. Ah, oh, ça va! Eh ouais, mon petit père, t'inquiète pas. Allez, merci Germain qui nous a mis en position. Juste le broyeur, je crois. Oui, il faut louer le broyeur à betterave et ensuite il faut louer la machine. Mais là, normalement, avec les 19 tonnes. Mais attends, mais on a besoin de la benne par contre aux betteraves. Et les betteraves, ça rend de ouf. Bah, sinon on ira louer notre benne. Mec, on a plus de. Oh, mec, on va vendre un tracteur. Ça va coincer là. Non, non. Bah, sinon on a les bottes de luzerne, en ce coup, on peut les vendre. Hein. Mais bon. Oh, bah, mec, on va gagner 1000 balles. On va les vendre. Ah ouais, carrément, le champ là il nous a mis dans le mal, hein. Ah bon, en vrai 50 tonnes de farine, on va être milliardaire après, ça faut se dire ça aussi. Vas-y, normalement ça va se vendre. Allez, 3, 2, 1. Ok, 24 000 de plus. Donc normalement, on devrait pouvoir commencer les betteraves. Comment ça se passe du coup la machine à betteraves? Parce que sinon on n'est pas obligé de prendre la plus grosse du jeu, hein. Moi je voulais prendre une Kaler, mais sinon on n'est pas obligé. Bah si, mettons, ça, même si on prend une petite ou une grosse, quand même, ça quand même rentre pas mal. Ah oui, là ça c'est le broyeur. Donc là c'est le broyeur à betteraves. On est sur du 500 euros d'occasion, donc ça va. Bon, de toute façon, largeur 5 mètres, 4 mètres. Bah, c'est la largeur par défaut de toute façon. Ah oui, largeur de travail, 5 mètres. Ben non, faut en prendre 5 mètres, non? Feu tournant, autocollant, ligne, ça on s'en fout. Capacité, on s'en fout aussi. Okay. Ouais, il en faut, bah, du coup, c'est 10 000 balles de location, hein. Ça pique un petit peu, hein. Bon, mais après, on a assez pour louer une autre benne au cas où. Ouais. Bastien? Ouais. Bah, tu t'es trompé? Pourquoi? C'est pas une machine à patates que t'as loué? Non, c'est à betterave. Ah ouais? Ouais. Ah oui? Avec des deux machins comme ça, je savais même pas. Attends, je vérifie quand même. Ouais, non, c'est non. Bon, ça prend les betteraves. Non, ah oui, d'accord, en fait, ça prend les deux, regarde. Ça prend patates et betteraves. Ouais, ouais, bah heureusement, fais pas peur. Mais non, mais c'est pas à ce moment, j'ai fait une connerie là. Bon, bah allez, on va tester les betteraves, les amis. Et le champ. Le champ qu'on a acheté, du coup, il faudrait qu'on voie s'il mûrit. Sinon, on dort une nuit, il va mûrir. Hein. Sinon, on met un coup d'engrais. Comme ça, on a l'engrais full max sur le champ. Ah ouais, vas-y. Si t'as tant qu'à faire, autant mettre un peu d'engrais. Je sais pas s'il y en a besoin. C'est le 20. Non, il est où? 8. 28, ouais. Ah, mais il y en a besoin, il est que ça. Moi, je prends Renault et j'y vais. Moi, je vais tenter. Bah, je vais ramasser les betteraves à la ferme pour commencer. Ouais, bah, tout le monde, la benne est à la ferme. Et Germain, du coup, tu finis de moissonner le blé, c'est ça? Ouais, bah là, j'ai quasiment fini, donc ouais, je vais venir à la ferme. Non, le problème, c'est que ça va être chiant de broyer et ramasser en même temps. Je sais pas si on va réussir. Ok, bon, bah, c'est en route. Je sais pas comment ça va, si ça marche bien. Oula, pourquoi ça broie. Pourquoi ça broie plus large? Pourquoi ces conneries? Mec, ça, le broyeur il est cheaté, gros. Il broie plus large que la largeur du train. Parce que je l'ai mis en 5 mètres, mais je pensais que c'était réaliste, mais non. Il y a quand même du blé, hein. Là on a 7 tonnes. Ouais. Par contre, ça ramasse vite, hein. Ah, maintenant le broyeur il est bugué, il est décalé. Oh, chier. Bon, par contre, les amis, ils m'en voulaient pas, mais du coup, ça ramasse un peu bugué. Enfin, en fait, le broyeur il broie, mais sur le côté. C'est vraiment bizarre. Hop là. Bon, bah, nickel, regardez, ça ramasse bien. Magnifique. Je suis déjà à 40%. Bah, on va continuer ça, les amis. Bah, dès que je suis plein, on reprend la vidéo. Bon, bah, les amis, je vais être plein. Ah. Hugo, tu peux venir avec la benne? Ouais, j'arrive. De toute façon, en vrai, je pense que je vais reculer. J'imagine qu'on fait ça. Oh là là, le chargement. Vas-y. Vas-y. Attends, mais la benne, elle est trop grande là? Oh. Ah, fallait enlever les ridelles. Est-ce que ça marche? Ah ouais, ça marche. Est-ce que la benne, elle va se remplir rapidement ou pas? Avec combien de tonnes? Bah, je pense qu'elle va se remplir assez rapidement. Par contre, je peux que baisser vers le bas, je peux pas lever. Ouais, comme de base, je pense que ça, c'est une machine vraiment pour récolter que les patates. Ouais. Toi, pour mettre dans les palocs, c'est pour ça que t'as une bâche. Bah ouais. Ah bah, t'as quand même 10 000 dedans. Merde.
Ah oui, c'est une machine cheatée, quoi. C'est cheaté? Ah ouais, la machine de base, je crois que c'est que 6000. Bah, en fait, faut que je fasse demi-tour parce que sinon ça rentre pas. Ah, attends, je te vois, t'es où, t'es là-bas? Ah oui. Bon, bah, les amis, je vais encore être plein. Deuxième trémie. Bah, la belle, je pense qu'on pourrait la vider. Germain, t'es parti amener ça, enfin, amener la bateau dans le nouveau champ? Ouais. De toute façon, on va dormir une nuit. Je pense que ce sera mieux. Ouais, une demi là qu'il faut pour... Ouais, du coup t'as mis de l'engrais, donc là le 26, bah il est fertilisé au max. Il y a besoin de chaud ou pas? Ah, il n'y a pas besoin de chaud dans ce champ. Ouais, il faut bien de chaud dans tous les champs. Lui, on devrait avoir quand même un bon rendement. Non, Germain, c'est pas là donc lui. Ouais, c'est encore trompé. Ouais, non, c'est ça. Ah oui, je suis allé à pied parce que là, je sentais le train. Vas-y, avance. La maison à gauche, Germain, là. Là, c'est à gauche, là. Ah, je suis passé par là, moi, tout à l'heure. Là, c'est à gauche, là? Ouais. Ouais. Normalement, tu vas avoir une petite aire à gauche. Ah, si t'avances. Il t'a une aire, ouais, pour te garer. Parce que j'ai du blé. Ouais. Ah, il faut amener la benne. Ah, on a pas de benne. Vas-y, là, c'est là. C'est où, là? C'est là, à gauche, le champ à gauche. À gauche. Ok. Du coup, t'as une petite zone en plus pour mettre à coup. Bah, sinon, ce que je vais faire, je vais stocker les betteraves dans le silo et je viens de vider la benne, comme ça, tu peux commencer à moissonner. Dans tous les cas, on va dormir une nuit, donc. Ouais, bah, il faut dormir. Et Hugo est parti me récupérer un broyeur avant qui est pas bugué parce que sinon il va broyer à ma place. Mmh. Bon là c'est pas réaliste, hein. Les betteraves on peut jamais. Hein. Ah, on peut pas vider les betteraves. Ah, elles sont pas acceptées ici. Ah bah oui, bah non. Je peux faire un tas sinon. Ouais, on va faire un tas et puis on pourra louer un télescope et puis une grosse chargeuse. Je pense que je vais faire un tas au bord du champ. Hein. Bah ouais, pourquoi pas. Je vais faire un tas ici, les amis, comme ça. On ira récupérer ça à la fin avec un gros chargeur. Et là, comme ça, Germain, je vais venir. Bon, et j'en ai aucune idée pour faire 20 palettes de sucre, combien il faut de tonnes de betteraves. Hein. Alors là, je sais pas du tout. Mais en tout cas, le sucre, la farine et tout, c'est des trucs qui se vendent bien. Donc en soi, c'est des trucs chiants mais qui vont rapporter des bons trucs. C'est 1 500 € la palette, le sucre. Ouais. Et vite, t'en as à foison. Hein. Ouais, je pense que ça se remplit vite. Alors là, on va passer par ici. Mais du coup, c'est cool parce que là, on commence à avoir vraiment des bons champs et des gros champs. Genre. C'est ça, et un matos correct. Ouais, ça, c'est bien. La benne elle est pas mal, la batteuse, bon voilà. Vas-y, vide, parfait. Bah là je pense qu'on dort une nuit, comme ça dans le champ est mûri, Germain. Tu peux commencer à la moissonner. Et nous on va continuer les betteraves avec Hugo, hein. On va faire ça le plus possible. Ouais. Avec... Ça tu vas le mettre direct ça, à l'usine. Bah ouais, on a quoi en stock là? Ah j'ai 10 tonnes de blé à la ferme. Bah j'ai complété la benne sinon. Vas-y, bah soit à l'usine ou en vente, mais bon, ça dépend. Parce que si on est en vente, ça nous permet de gagner un peu, mais bon. Ça fait pareil. Ça fait un décalé. Ouais, mais c'est pas grave, ça te va pour combien? Regarde. Bah là, c'est parce que. Ah ouais, donc en fait, c'est vraiment bugué. Bon, vas-y. Je garde la paille ou pas? Ouais, je pense, ouais. Comme ça, ça nous fera un peu plus de sous en plus. Bah, quand tu passes le temps, let's go. Bah, de toute façon, là, je remplis ça. Je dors une nuit. Et hop, allez, on espère que le champ sera mûr quand même. Bon bah les amis, en avant, le champ est mûr. Bah vas-y Germain, broie pas la paille, parfait. Là ça va y aller, là le rendement. Mais regardez la taille du champ, il va loin. Oh là, ah bah là la batteuse elle est pas démesurée, moi je te le dis. Ouais, là on a bien fait. Ah là ça va être la première fois qu'on entend vraiment un champ, un beau chantier. Bon bah ce que je fais, je vais... Moissonner 1 hectare, on va moissonner 3 hectares maintenant. Ah bah là. Mais en fait je pense que les amis, j'ai rempli ma benne de blé pour aller le vendre, mais j'ai même pas le temps. C'est quoi, au pire on ira vendre le blé en stock plus tard. Hein. Là, je vais t'amener la benne, Germain, comme ça au moins tu l'auras. Vas-y, bah là, je suis déjà à 4% et j'ai fait 10 mètres. Ah ouais, vas-y. Et le blé, je le stocke. On ira vendre le blé plus tard. Hugo est en train de couper les fans pour les betteraves, donc comme ça, au moins, moi, ça sera parfait. Ouais. Et là, il va falloir qu'on rembourse le prêt le plus vite possible. J'imagine un défi, rembourser le prêt dans 2 épisodes. Ah ouais, non. Bah, par contre, j'espère vraiment que les 3 hectares de maïs. Donc là, ouais, hectares de maïs, on n'a pas de semoir à monograine, vu qu'on l'a vendu l'ancien, vu qu'il était bugué. On n'a pas racheté pour l'instant, donc il va falloir qu'on réfléchisse à s'acheter un semoir à maïs aussi pour la suite. Mais ouais, pour avoir qu'est-ce qu'on prend quoi. Alors par contre je vais où Germain? Parce que là est-ce que t'auras le temps de faire le tour en entier ou pas? Ouais peut-être côté route. Ah non y'a pas de... Si ouais ça longe la route à un endroit. Ouais rejoins-moi côté route. Ouais du coup je suis derrière toi là. Là je suis à 25 donc ça devrait aller. Je me mets là et quand tu seras à 80 tu me dis. Comme ça on vient de voir. Ok fainéant. Allez ouais je suis un fainéant ouais. Allez les amis. Bah du coup on peut délouer mon truc à l'avant moi vu que ça sert à rien. Eh d'ailleurs faut ouvrir les yeux parce que ça se trouve il y a des panneaux dans le coin. Ouais faut carrément regarder ouais de ouf. Les amis petit accéléré, on essaie de remplir le maximum de trémies. Par contre bah je vais viderai par terre, on fera un tas par terre hein. Et on se retrouve juste après. Bon les amis, Germain est bientôt plein. Ah mais t'as vu c'est à l'autre bout quoi. Ouais, rendez-vous à l'entrée. Hein. À l'entrée du champ. Bon, bah ça part en marche arrière. En plus, la trémie là, c'est une trémie de 14 000, je crois. Donc, clairement, the big trémie. Regardez-moi ça. On va dans la grande, au pire, dans la grande ligne. En plus, les amis, on entend le bruit de la batteuse. Écoutez, comment on l'entend arriver quoi. Oh, le bruit des. Alors, attends. Que je sois bien. Que celle-là, on vide pas par terre, c'est pas mal. Mais. Vas-y. Bon, ma benne, elle va être pleine en 2 secondes. Hein.
Ouais, quasiment une trémie, c'est quasiment une benne. Non, quand même pas. Non, deux. La moitié. Là, je suis à 40%. Ouais, de l'ancienne, oui. Ouais, l'ancienne, ouais, mais celle-là, deux trémies à benne pleine. Voilà, hop, c'est bon. Tac. Arrête de vider. Voilà, nickel. Bon, bah, moi, on revient aux betteraves, les amis. Et après, on ira vider la benne. Bon, les amis, toujours un ramassage de betteraves. C'est très long. Pour ça que je vous prends pas en vidéo. Oh, ouais. Mais du coup, en plus, les deux machines sont buggées. Vraiment, Hugo, il en a marre. Ça coupe, mais pas droit, quoi. Plus jamais des betteraves. Hein. Le broyeur, vraiment, il coupe, mais pas droit. Regardez, il coupe, mais ça coupe à côté. C'est comme l'autre que j'ai loué, alors que ça, c'est celui de base. Hein, bon, donc, allez, hop. Vas-y, viens me vider là. Ah, j'arrive. On va faire un truc radical, voilà. T'as combien de pourcents là? 86. Oh, ça va. Oh, bah en vrai, la benne va être pleine. Donc, ça va. Ouais, et toute la paille, on va avoir full paille. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Cool. Mais ça a bloqué. Bah, je sais pas. Pourquoi ça a démarré? Je sais pas. Ah, mais je suis à fond. Vas-y, je fais en tournant. Bah, je vois ça. Ah, voilà. Il y en a la moitié à coup. La moitié par terre. Oh non, j'avais pas vu. Oh non. Vraiment, me prenez pas comme chauffeur, hein, ça ne va plus. Vas-y, mets le Reels que je t'ai envoyé. Ah oui. Hein, c'est quoi? Ah oui. Oui, faut que je vous le mette à l'écran, c'est bon. Bah parfait, moi je suis zéro. Ok, bon bah c'est parfait du coup ce que j'ai mis par terre, comme ça a permis de remplir la benne à fond. Et j'ai la main vide. Poignée et sanglier. Allez. Wow. Ah, 1 200 € de location, c'est. Ouais, les locations ça pique, hein. Le prêt à la banque. Non, c'est moi qui ai loué un truc. T'as reloué un truc? Bah, ah, mec, ouais. Le broyeur, j'avais pas fait l'autre champ avec le. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a l'autre champ à faire. Oh, j'avais oublié, il y a l'autre champ à faire. Oh non. Attends, c'est quoi ces petites routes par contre? Tac. Ah, de toute façon, faut aller au moulin? Oui, tout ça, oui. Oh là là, ça va être long. Bah, les amis, je vais vider ça au moulin. Après, faut finir à ramasser les betteraves. Et je pense qu'après, on va se laisser là, de toute façon. Parce que vraiment, on a fait une bonne petite vidéo, quoi. Tac. Oh. Oh, la benne, je vais lui chasser du cul. Ouais, la benne, elle drift un peu quand tu tournes, c'est drôle. Ah, ouais, non, mais t'inquiète pas. Bah, avance le Renault, allez! Ah, mais t'es où, toi, c'est derrière? Mais t'as reloué un autre broyeur? Ouais, mais le broyeur là, c'est vraiment d'origine. Et j'espère qu'il bug pas celui-là. Oh, s'il bug, gros, je suis Alt F4 tout de suite, hein. Attention, je passe d'amis. Waouh! 28 000 dans la benne. En vrai, c'est énorme, hein. On est vraiment les gros agriculteurs du coin qui passent à 50 dans le village avec une benne remplie à balles. En vrai, elle est stylée, cette benne, vraiment, elle se penche quand tu tournes. Ouais, ouais, moi je t'ai dit, on l'a jamais vu franchement, ouais. Cette série, on a des matos qu'on voit pas, c'est stylé. On a bien fait la S7, c'est une toute nouvelle bataille qui s'est sortie sur le mode up, donc vraiment personne l'a. Le TG, on l'a jamais vu. Le TG, après il est moche, mais. Le TG, il est tellement, ouais, que. Ouais. Alors, je vais vider ça au moulin. Et faut vérifier que tous nos stocks soient vides là, parce que du coup, le défi part de zéro. Alors, nous voilà arrivés au point de vente, enfin au moulin. Je vais juste vérifier que du coup, les stocks du moulin soient vides. Bon, les amis, il y aura jusqu'à 3-4 tonnes de bonus, hein, parce que du coup, je sais pas comment on vide de ce qu'il y a dans le moulin. Je sais pas du tout. Ou alors, t'aurais dû enlever 3 tonnes dans la benne. Ouais. Ah, ouais, sinon, ouais. Voilà. Et bah, faut que tu te dépêches aussi, parce qu'en vrai, je vais être vite plein. Ah, déjà? Ouais. Bah, ça dépend si t'es loin, mais là, je suis genre à 40%. Non. Bah, je suis au moulin, donc je pense que je vais arriver, tu vas être à 80. Je vais arriver. Ah, oui, Hugo, du coup, il détourne ce champ. Magnifique. Et oui, ouais. Vraie question. L'arbre, on laisse ou pas? Parce que c'est vrai que ça fait un peu moche. Mais je me dis, ça fait partie du charme du champ, mais bon, c'est vrai que ça fait... À l'instant, on va le laisser, dans une semaine, on va le tronçonner. Ouais, on va le laisser, puis quand je vais que me faire le bouffer, je vais dire, allez, ouais, ça dégage. Ouais. C'est une carache. Je vais dire, allez, ça t'arrive sous. Alors, me revois dans le champ. T'en es où, Germain, là? Bon, attends, moi, en bas, ouais. Ouais, bon, je vais laisser ça là. Dans tous les cas, amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On aura fait une bonne vidéo, encore une fois, avec beaucoup d'investissement, donc ça c'est cool. On finira de ramasser les betteraves dans le live de lundi. Hein. Là, betterave, va falloir finir ce champ. Il reste cette partie-là, on la voit un peu là. On voit toute cette partie-là qui reste à faire et la partie d'Hugo. Donc on verra bien. Bon, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Magnifique, Germain arrive, c'est terminé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et les amis, on se retrouve lundi pour un nouveau live. On a beaucoup de travail à faire. Si y en a qui ont des petites idées en commentaire, n'hésitez pas à nous le dire. Des choses à faire, des productions à faire. Si y en a qui ont vu des panneaux aussi, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Voilà, c'était Starvio, Germain et Hugo. À la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao.